partenaire pour voilà. Deuxième prise de sang dans une heure et une autre dans une heure. Et je dois attendre sous surveillance. Je dois être sous surveillance obligatoirement. Hop et hop. Et encore une troisième dans une heure. De retour à la maison. Pyjama direct. Direct le pyjama. Coucou ça. Bonjour. Alors, vous êtes beaucoup à me demander comment c'était le produit, le goût, enfin surtout les mamans qui vont le faire bientôt. Alors moi j'ai pris goût orange, donc il y avait trois choix, il y avait coca, citron, orange moi. J'ai choisi orange, c'était bien frais, ils l'ont mis au frigo. Donc les premières bouchées, les premières gorgées, on a l'impression que c'est un peu du Fanta, enfin les bulles, hein, mais le goût Fanta. Ça même bien que ça doit faire... 15 ans que j'ai pas goûté une goutte de Fanta, mais je m'en rappelle de quand j'étais ado. Ça m'a fait penser un peu à ça. Au début, c'est pas dégueulasse. On a l'impression de boire une boisson sucrée. Et la fin, c'est un peu écœurant. Et ouais, moi en plus que j'ai pas l'habitude de boire du glucose, des trucs comme ça. Là. Mais bon, c'est fait. C'est fait. Ça va mon gros. Ah, c'est comme ça toi. Oui, c'est comme ça. Il m'a fait rire mon chien. Si vous avez vu la tête, il était en mode qu'est-ce que vous me mettez sur le nez? D'un coup, il a mis la tête en avant, il a fait chclac, il a mis un croc dans les lunettes. J'ai dit ah, c'est toi qui l'as mis sur le nez, tu peux rien lui dire. De toute façon, Tiger, je vous dis la vérité, c'est l'enfant roi, c'est le pacha. Il a tous les droits, c'est l'enfant roi ce chien. Ah, il m'a fait rire, il était trop beau avec ses petites lunettes. Mais sa tête, s'il pouvait parler, il aurait dit « Mais qu'est-ce que vous m'avez mis sur le nez ?» Il est trop beau. Je vais voir maman. C'est quoi là? Il y a quoi là dans le ventre à maman? Oh, mais que je veux retrouver de l'amour. Qu'est-ce que tu veux avec ton petit nounos, toi? Qu'est-ce que tu veux? Le nounos plein de bave sur le canapé. Prout. Prout, prout, prout. Ils connaissent pas le prout, Tiger. Ça t'énerve, le prout, hein? Ça t'énerve, le prout. Et oui, on joue sur le canapé avec maman, parce que maman, elle est fatiguée, elle peut pas trop se lever. Tu vas aller nager dans la piscine après? Maman va ouvrir, on va mettre à la piscine? Oui. Prout, prout. Oh, ces petites dents merveilleuses. Mon canapé. Mon petit bébé, j'ai mis dans son panier, le petit bébé et maman. Et moi, je suis en mode cachalot échoué sur le canapé. Je me repose et aussi quoi? Et je me repose. Les journées sont longues. Quoique aujourd'hui, attendez, j'ai fait aussi la grande sortie. Hein. J'ai accompagné mon chéri faire des courses. J'ai dit, vas-y, ça me fera prendre l'air. Moi, je peux rien porter avec mon dos. Donc, je suis allée juste pour prendre l'air à grands frais. C'est-à-dire que là, j'en suis à ma grande sortie, c'est d'aller à grands frais. Wouh! Celle-là de sortie. Oh putain. La vie a bien changé quand on en est à faire des sorties à grands frais.